plus clair avec les cases pour que vous voyez que vous avez la participation donc de 1s et de 3p pour former donc les liaisons principales sigma. Si on veut utiliser l'autre méthode, on a dit faire le compte des liaisons sigma et des liaisons des doublés libres. D'accord? Donc, pour ce faire, on continue pour S1. L'autre méthode, c'est de compter les liaisons. On peut insérer ici les différentes liaisons que vous avez. Vous avez soit sigma, ou bien vous avez des liaisons pi, et on va les définir. Alors, donc, celle-là, c'est une liaison sigma. Liaison principale, porte, celle-là aussi, liaison sigma, celle-là aussi c'est une liaison sigma, vous pouvez choisir celle que vous voulez, d'accord? Mais une des deux sera sigma et l'autre sera pi pour les doubles liaisons. D'accord? Donc vous avez pi pour l'autre liaison pi pour l'autre liaison double ici, d'accord? Et est-ce qu'il y a des doublés libres sur le soufre dans ce cas? Il n'y en a pas. Donc vous avez 1, 2, 3 et 4. 4. 4 liaisons alors l'hybridation et SP encore une fois. Maintenant, si on veut aller à la méthode des cases. Donc, on était passé à l'état excité pour SO4 de moins. Donc, on était passé au deuxième état excité. Vous choisissez la méthode qui vous paraît la plus facile, d'accord? J'insiste sur ce fait. Je vous donne les trois méthodes pour retrouver l'état ou bien le type d'hybridation et vous choisissez la méthode qui vous paraît la plus facile, la plus simple. Troisième méthode. Pour faire les choses d'une manière qui sont plus réaliste, bien, donc vous rajoutez le 3D 0. D 0 en principe. Donc ici, puisqu'on est passé à l'état excité, on aura 1 ici. Ici, 3. Et deuxième état excité, il y en aura 2 sur D dans ce cas. Donc, on a cet oxygène donc avec un hydrogène maintenant au lieu d'être comme ça. On a un hydrogène ici, donc on a OH et OH, et on a les deux autres oxygènes. Mais pour faire les choses d'une manière qui sont plus réelles, donc vous aurez une liaison principale sigma avec cet électron et une qui sera plus faible puisque c'est sur 3D, donc cette liaison, ce sera donc avec cet électron. D'accord? Et celle-là, c'est celle de pi et celle-là, ça sera la sigma. Liaison forte, donc plus stable pour cet oxygène. D'accord? Donc on a 1, 2,
3, 4, on a un S, un P et un P pour les liaisons qui sont principales, qui sont les plus fortes. Et on a 1, 2 au niveau de D qui sont des liaisons qui sont pi. D'accord ? Donc, on a S, P, 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 S, P3. D'accord ? Hybridation. En ce cas. Nous avons trois liaisons sigma, quatre liaisons sigma. Ensuite, je vais les séparer en une de S et trois de P. Donc, nous avons quatre liaisons sigma et que je vais séparer en une par l'orbital S et 3 par P et 2 pi orbital de D. Donc, on a quatre liaisons sigma et deux pi, quatre liaisons sigma, une avec S et trois avec P. S, un S et 3P, donc P3. D'accord. Donc vous voyez que soit vous utilisez donc le facteur N plus M, vous retrouvez que c'est tétraédrique, automatiquement tétraédrique, c'est SP3. Soit vous comptez le nombre de liaisons que vous avez donc pour cet atome, soit vous utilisez la méthode des cases et ici donc vous avez les différentes liaisons qui sont plus fortes, ce serait ceux qui ont une énergie donc plus basse et celles qui sont donc plus faibles, ce sont celles qui ont une énergie qui est plus élevée. Donc dans ce cas, D est un petit peu plus élevé que S et P. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 qui sont plus fortes que ces deux-là. Donc, vous avez S, 3P, SP, 3. D'accord ? Je vais enlever ça. Passons maintenant au deuxième cas. Le deuxième cas, c'était donc, laissez-moi revoir. C'est H2S4O6. H2S4O6. H2S4O6, c'est la même chose que celle-là, sauf que maintenant on va introduire donc deux hydrogènes chargés positivement et je peux prendre donc ma représentation ici. Les hydrogènes, ils vont se mettre où ? Ils vont se mettre, puisqu'ils sont chargés positivement, ils vont se mettre sur les deux oxygènes chargés négativement et un doublé va former une nouvelle liaison que je vais prendre ici pour gagner du temps. Et l'autre hydrogène.
Très bien. Alors, de la même manière, ici il me manque le deuxième soufre. Pardonnez-moi. Personne qui m'a rappelé ça. Donc, il manque le deuxième soufre. Donc, de la même manière, dans ce cas, donc pour le S2, on va continuer sur la deuxième molécule, d'accord? Donc, pour le S2, je vais pas mettre la méthode des cases pour gagner du temps, mais maintenant, vous savez comment faire avec la méthode des cases, que ce soit donc pour la séance dernière ou bien pour cette séance où on a fait un petit exemple au niveau de la méthode des cases. Alors, ici, N plus M, on a ce soufre qui est relié à combien? Donc, à un seul. Donc, un ligand plus nombre de doublés. Donc, nombre de doublés, je devrais le revoir donc, sur la présentation qui est bien faite au-dessus. Donc, ici, j'avais deux doublés que j'ai oublié de prendre. Donc, j'ai combien de doublés? J'en ai deux. J'ai deux doublés plus C3. On a dit que c'est triangulaire. Triangulaire. Alors, donc, dans ce cas, automatiquement, vous l'avez sur le cours. Donc, ça sera une hybridation SP2. D'accord? Sinon, il y a toujours l'autre possibilité, donc, de compter, on a dit, le nombre de liaisons sigma et les doublés qui sont libres. Dans ce cas, il y a une liaison sigma et deux doublés libres. Donc, on peut considérer comme si on avait trois liaisons sigma Alors, l'hybridation dans ce cas, c'est SP2. Je crois que la méthode des cases, on l'avait déjà effectuée plus ou moins. Donc, ici pour le deuxième soufre, est-ce que je peux la faire rapidement? J'ai une double liaison, donc je peux prendre ça. C'est un soufre qui n'est et à l'état fondamental. Donc, ce soufre, il est à l'état fondamental, ayant une double liaison. Une double liaison avec l'autre soufre, je peux le mettre directement ici pour gagner du temps, au lieu de reprendre les cases, puisque je regarde seulement mon atome que j'étudie. Donc ici, une double liaison. Ça. Je souffre excité, donc ça sera celui-là, avec une double liaison. Ici, on a dit que liaison sigma. Liaison sigma, une liaison. Donc on a un S et deux P qui vont être considérés. SP2. Je vais insérer ça, donc ici S.
et de P qui sont donc les plus importants. La troisième liaison, elle est plus faible. La liaison pi. Deux doublés et une liaison sigma, une liaison pi. Donc c'est SP2 dans ce cas. Et effectivement, donc, c'est SP2. Allez, on passe à la dernière molécule. Donc, maintenant, on va éviter donc, de parler de cases quantiques, etc. Et on va se concentrer seulement sur donc, la méthode qui est plus simple. Donc, dans ce cas, on a combien de soufre ? On a 1. Et on a 3 et 4, mais le 3 et 4, donc ils sont équivalents, d'accord? Vous voyez que c'est la même chose, elle est symétrique, donc vous avez la même chose. Si vous vous retrouvez pour le 1 et le 2, c'est suffisant pour résoudre l'exercice. Alors, le quatrième ici. Et on va mettre que puisque la molécule est symétrique, 1 et 4 auront le même type d'hybridation et 2 le même type d'hybridation. Symétrique. Alors, pour S1, et S4, on va retrouver N plus M rapidement. N plus M1, 2, 3 et 4. Donc N, nombre de ligands, c'est 4. M, nombre de doublés libres sur S1, 0, égal à 4. On va vérifier pour S4 que ce qu'on a dit est correct. Alors, 1, 2, 3 et 4 ligands et 0 ici. 0. Et les tétraédriques. Type d'hybridation. SP. Tout simplement. Si vous voulez le faire d'une manière à compter les liaisons sigma, on a
une liaison sigma, une deuxième liaison sigma, troisième liaison sigma et quatrième liaison sigma. Donc, quatre liaisons sigma. C'est SP3. Et vous avez deux liaisons pi qu'on ne va pas compter. Maintenant, pour les S2 et S3. On a N, c'est le nombre de ligands, c'est 1 et 2. On a nombre de doublés libres sur cette atome qu'on va considérer l'atome centrale, 1 et 2. C'est 4 tétraédriques. On va maintenir SP3. Même chose ici, donc 1 et 2 doublés libres, 1 et 2 ligands, donc c'est 4, c'est SP3, donc c'est correct. Si vous voulez le faire d'une manière à voir donc, les liaisons sigma, vous avez une et deux liaisons sigma, plus deux liaisons sigma à cause des deux doublés libres, c'est 4, donc le type d'hybridation dans ce cas, ce sera SP3. Pour les cases, donc de la même manière, vous devriez donc tracer vos cases, vous avez vos doublés libres et vous allez regarder donc quels sont les orbitales qui vont permettre d'avoir donc les liaisons sigma. D'accord? Je crois que c'est tout. Donc on a justifié, que ce soit par la méthode des cases, que ce soit par les méthodes de Gillespie ou bien par la méthode du compte des différents donc sigma dans ce cas. D'accord? Donc on a terminé l'exercice 11. Avec l'exercice 11, on a terminé toute la série numéro 2. Ce que je voulais faire donc avant de terminer, puisqu'on a commencé donc à 9h30, il nous reste 20 minutes. La dernière fois, je vous avais dit que j'ai une autre méthode pour retrouver la structure des Lewis. Et j'ai même un exemple donc sur un diapo de ce document PowerPoint où on peut voir comment faire pour retrouver donc la structure des Lewis. Donc, la manière avec laquelle on va procéder, en principe, cette manière vous permet de retrouver la majorité des structures de Lewis. D'accord ? Moi, quand j'ai un doute sur comment faire avec les cases, avec les différents électrons et faire passer les électrons à un état excité, etc., donc de cette manière, comme on l'a fait pour le soufre, quand est-ce que je dois passer au premier état excité, au deuxième état excité. D'accord ? Donc, ce que je fais, c'est vérifier avec cette méthode. Donc, cette méthode, elle est valable pour tous les éléments qui respectent la règle de l'octet. D'accord ? Donc, le seul cas où elle n'est plus valable, où les éléments ne respectent plus la règle de l'octet. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, et je vais insister, et vous devriez vous rappeler de ça, que les éléments qui causent vraiment des problèmes en général, ce sont le soufre et le phosphore. D'accord ? Le soufre et le phosphore, ils ont la possibilité de passer à des états excités et de former plus que 4 liaisons, de ne plus respecter la règle de l'octet. Donc, les exceptions sont très, très peu. Alors, si vous suivez cette méthode, elle va vous permettre de retrouver, je vais dire, jusqu'à 90% des structures des Lewis. Sinon, au moment où vous utilisez cette méthode et vous voyez que l'élément ne respecte plus la règle de l'octet, ça veut dire que vous avez plus de ligands à mettre autour de cet atome que la règle de l'octet, là, la méthode n'est plus valable. Vous êtes obligé de passer directement à un état excité. D'accord ? Donc, c'est une indication qui vous permet de savoir quand est-ce que vous devriez passer à un état excité, quand est-ce que vous ne devriez pas passer à un état excité. Mais le problème, c'est que vous allez perdre un peu de temps pour utiliser cette méthode, mais ça vous permet d'être sûr que vous devriez passer à l'état excité. Donc, cette méthode, moi, je la nomme personnellement, donc ce n'est pas le nom qu'on lui donne donc, au niveau de la littérature, mais moi, je la nomme une méthode de compte du nombre d'électrons. D'accord ? On va prendre un cas qui est simple dans ce cas, ça sera donc on a l'étain avec le chlore, donc SnCl2. Pour ce faire,
vous avez besoin de retrouver la configuration électronique de vos éléments et faire le compte. Quel compte? Pour rendre ça un petit peu simplifié, vous pouvez mettre donc un tableau de cette manière. Vous faites le compte du nombre total d'électrons de valence sur votre molécule. Le nombre total d'électrons de valence, ça veut dire que tous les électrons de valence qui vont intervenir, que ce soit ceux du premier atome, de l'atome central, ou bien ceux qui sont reliés à cet atome central. Ensuite, vous faites le nombre d'électrons de valence si la couche est remplie, parce que l'objectif dans ce cas, on l'avait dit la dernière fois, c'est d'arriver à une configuration électronique de cet élément, une configuration électronique d'un gaz rare. Ça veut dire d'avoir la couche de valence complètement remplie. Arriver à une stabilité rendre l'élément le plus stable possible. Donc, arriver à être le plus stable possible. D'accord ? Pour ce faire, il faut arriver à la configuration électronique de leur gaz rare, donc à la dernière colonne du tableau périodique. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est calculer le nombre d'électrons formant les liaisons. Pour ce faire, ça sera tout simplement la différence entre le nombre d'électrons de valence, si la couche est complètement remplie, et celle du nombre total d'électrons de valence sur votre molécule. Et ensuite, retrouver le nombre de liaisons que vous avez. Ça veut dire diviser, donc chaque liaison est composée de deux électrons, diviser par deux et avoir le nombre de liaisons. À la fin de tout, ce que vous allez faire, c'est disperser le reste d'électrons sur votre molécule. D'accord ? Donc, vous avez utilisé 6 électrons, par exemple, ici, pour former les 3 liaisons. Il vous reste combien d'électrons de valence ? Il va vous rester, dans ce cas, 12. On va voir, d'une manière concrète, ce qu'on est en train de dire. Donc, j'ai dit ça un petit peu en général. Si on va le concrétiser, je crois que ça va devenir plus facile pour vous. Donc, on va prendre SNCl2. S1, son nombre, son numéro atomique Z, c'est 50. Vous avez donc la configuration électronique donc, de SN. Donc, vous avez un S2, etc., jusqu'à 5S2, 5P2. D'accord ? Donc, la configuration électronique de valence, dans ce cas, c'est 5S2, 5P2. Ça veut dire que le nombre d'électrons de valence sur cette couche, c'est 4. Donc, dans ce cas, le nombre d'électrons de valence pour l'étain, c'est 4. Ensuite, vous avez le chlore. 1S2, 2S2, etc. jusqu'à 3S2, 3P5, puisque le Z, dans ce cas, est égal à 17. La configuration électronique de valence, c'est 3S2, 3P5. Vous avez combien d'électrons de valence ? Vous en avez 7 sur la couche de valence, d'accord ? 7 électrons. Dans ce cas, pour chaque chlore. Maintenant, on va chercher le nombre total d'électrons de valence que vous avez sur SNCl2. Nombre total d'électrons de valence, c'est 4 électrons sur l'étain, donc 4 fois 1. Vous avez un seul étain, donc 4 fois 1, c'est 4. Plus, donc vous avez 7 électrons de valence sur le chlore, mais vous avez 2 chlores. Donc vous avez 2 chlores, ici je l'ai mis en bleu, 2 chlores fois 7 électrons du chlore. C'est 18. On va le mettre sur le tableau. C'est 18. Maintenant, le nombre total d'électrons de valence, si la couche est complètement remplie, si la couche de valence est la couche du gaz rare dans ce cas. Pour donc, l'étain, pour avoir la configuration électronique d'un gaz rare, du gaz rare le plus proche, ça serait quoi ? Rajouter 4 électrons ici, ça sera 5S2, 5P6. Ça veut dire que pour avoir la couche de valence complètement remplie, dans ce cas, on aura 8 électrons sur la configuration de valence, sur la couche de valence. Donc c'est 8. La même chose pour le chlore. Pour arriver à la configuration électronique du gaz rare, on a besoin de rajouter 3 électrons. Ce sera 3S2, 3P6 pour avoir donc la configuration électronique de la dernière colonne de votre tableau périodique. Donc c'est 8. Mais dans ce cas, n'oubliez pas que vous avez 2 chlores. C'est 8 pour l'étain, plus 2 fois 2 chlores fois 8 du
chlore, ça serait 24. Donc, nombre total d'électrons de valence, si la couche est complètement remplie, si la couche est la même qu'une couche d'un gaz rare, ou bien du gaz rare, donc, qui est sur la même période, ça serait donc, le nombre total, ça serait 24. Ensuite, nombre d'électrons qui vont former les liaisons. Pour retrouver le nombre d'électrons qui vont former les liaisons, vous prenez donc ce nombre avec la couche complètement remplie, parce que l'objectif, c'est de remplir, donc, c'est de mettre en commun des électrons ici, d'ici, ici, pour remplir cette couche et arriver à la configuration électronique d'un gaz rare. Donc, ça sera la différence entre ce nombre moins celui, donc, nombre d'électrons de valence que vous avez réellement sur votre molécule. Donc, c'est 24 moins 18, vous avez 6 électrons qui vont former les liaisons. Ça veut dire que pour avoir une liaison, vous avez besoin de 2 électrons. Vous avez besoin de diviser par 2, vous avez 3 liaisons forcément. D'accord? Alors, 3 liaisons. Donc, avant de mettre tout ça dans la formelle, etc., avant de faire tout ça, on va commencer par le départ. C'est qu'on a retrouvé seulement 3 liaisons. Et on va essayer de mettre nos 3 liaisons comme on veut. Dans ce cas, c'est un exemple très facile, d'accord? Vous avez 2 chlores, vous n'avez pas besoin de penser où est-ce que je devrais donc mettre plus d'électrons, bien des liaisons qui sont doubles. D'accord? Donc les liaisons qui sont doubles, en principe, devrait être prise par l'élément qui est le plus électronégatif. Mais dans ce cas, on n'a pas besoin de faire ça. On a 2 chlores. Vous pouvez mettre votre double liaison ici ou bien ici. Donc, le plus important, c'est de dire que vous avez 3 liaisons. Vous avez besoin de mettre 3 liaisons ici. Donc, vous avez 2 éléments qui vont être reliés à cet étain. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre une liaison simple et une liaison qui est double. Si vous faites ça, donc les 3 liaisons sur un seul, donc vous avez perdu un chlore, donc vous n'avez plus cette molécule. Si vous décidez par exemple par vous-même et de dire que vous avez 2 liaisons qui sont simples, ou bien 3 liaisons qui sont simples, pardon, donc 3 liaisons qui sont simples, vous devriez enlever une double liaison, ça, si vous décidez que ces 3 liaisons sont 3 liaisons qui sont simples, vous devriez avoir donc quelque chose comme ça. Mais ici, vous savez que vous avez seulement 2 ligands, vous avez 2 atomes qui sont reliés à S1, vous ne pouvez pas faire ça. Donc la seule solution que vous avez ici, c'est revenir en arrière et avoir une double liaison et une liaison qui est simple avec les 2 éléments chlore. Maintenant, donc, on a mis nos liaisons. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque maintenant donc, tous les électrons qui restent. On a utilisé donc 6 électrons de ces électrons de valence. Il nous reste des électrons à disperser sur notre molécule. Mais la dispersion, elle n'est pas effectuée d'une manière qui est aléatoire. Elle doit respecter la règle de l'octet. D'accord? Donc, puisqu'on a utilisé 6 électrons, il restera combien d'électrons? Donc, c'est 6 moins 18, pas moins 24, parce que ça c'est d'une manière virtuelle, c'est d'une manière à mettre en commun, donc pour chacun. D'accord? La réalité, c'est que vous avez 18 électrons de valence. Donc, vous aurez 18 moins 6, il vous reste 12 électrons. On va les disperser d'une manière à respecter la règle de valence. Ça veut dire de l'octet, pardon. La règle de l'octet, ça veut dire que chaque élément devrait être entouré par 8 électrons. Donc on a 1, 2 pour l'étain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui manque combien? Il lui manque un doublé pour avoir 8. Bon, si on refait le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
D'accord? Alors, pour le chlore, il en a combien? Un, pour celui-là, ce chlore avec la double liaison. Je vais insister sur ça. Un, deux, trois, quatre. Il lui manque quatre électrons pour arriver à 8. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il a respecté la règle de l'octet. On a utilisé combien d'électrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on avait 12. Il nous reste 6 électrons. Il devrait aller forcément sur ce chlore, mais en respectant la règle de l'octet. Donc, ce chlore, il en a 2 pour arriver à respecter la règle de l'octet. Donc, dans ce cas, il doit avoir 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, on va faire le compte maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On avait 12 électrons qui restaient. On a dispersé donc nos 12 électrons ici en respectant la règle de l'octet. Il nous reste tout simplement, vous devriez savoir que quand vous faites la méthode des comptes comme ça, vous arrivez directement donc à la charge formelle. D'accord? Donc, si vous faites le compte pour retrouver la charge formelle, donc l'étain, en principe, il devrait avoir donc 4 électrons sur sa couche de valence. On va faire le compte maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? 5, ça veut dire qu'il a comme s'il avait gagné un électron. Il est chargé négativement. Maintenant, les chlores. Donc, les chlores, il devrait avoir 7 sur leur configuration donc de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Celui-là, ça sera 0, il n'est pas chargé. Et celui-là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il avait besoin, et normalement, il devrait avoir donc 7, il en a seulement 6. Donc, il a, comme s'il avait perdu donc un électron, il va être chargé positive. Et j'insiste donc pour terminer cette méthode des comptes. Donc cette méthode est valable uniquement pour les molécules respectant la règle de l'octet. D'accord? Au moment où vous faites le compte et vous voyez que vous avez quelque chose de bizarre au niveau des liaisons, une demi-liaison, etc. Donc là, vous savez que donc elle n'est plus valable. Méthode. Sauf si c'est un ion. Si c'est un ion, donc une demi-liaison, ça veut dire que vous avez un électron de plus sur l'un des atomes. D'accord? Donc si c'est un ion, donc vous devriez prendre en considération le fait que un des atomes a un électron de plus. D'accord? Donc ici, vous enlevez donc cet électron, vous le mettez donc sur l'atome qui est le plus électronégatif et vous retrouvez donc vos liaisons. Mais si c'est une molécule donc neutre, en principe, si vous avez quelque chose de bizarre au niveau des liaisons, ou bien la molécule ne respecte pas la règle de l'octet, donc vous dispersez vos électrons, vous voyez que vous avez plus d'électrons à disperser, là, automatiquement, vous passez donc au fait que vous devriez avoir donc un état excité. Cette méthode, j'insiste, que c'est fiable pour 90% des cas. D'accord? Donc, si vous avez, je ne sais pas, 9 molécules, 10 molécules, pardon, 9 sur 10 seront correctes. Donc, une ou deux, et en général, j'ai dit que vous devriez peut-être à ce moment-là penser si vous avez le soufre, vous avez le phosphore, si vous avez donc une couche de plus dès qui est très proche. Donc là, vous pouvez donc retrouver le dixième, d'accord? D'une manière à exciter, bien sûr. D'accord? Donc cette méthode, elle est bien fiable. Donc vous choisissez la méthode qui vous convient le plus. Vous pouvez même, si vous avez le temps durant un examen, durant une évaluation,
Si vous avez le temps, vous pouvez vérifier avec cette méthode. Et comme ça, vous êtes sûr que vous avez retrouvé donc votre structure ou bien représentation de Lewis. J'insiste que ça, c'est avec la charge formelle. D'accord? Donc, sans la charge formelle, vous devriez donc redonner donc ce doublé, donc un de ces électrons, revenir sur ce chlore pour donc avoir une seule liaison ici. D'accord? Donc, et vous aurez donc un, deux, trois, donc doublé dans ce cas. Et vous pouvez mettre ici. Donc, si vous avez perdu, ça sera plus ici et moins ici. Donc, la même chose. Donc, si vous voulez qu'on le fasse, on peut le faire rapidement pour que ça soit comme ça, juste dans vos esprits et vos têtes. D'accord? Donc, si vous voulez sans charge formelle, donc, vous devriez redonner donc un de ces doublés au chlore. Et ici, vous aurez donc votre liaison. Soit comme ça. Et ici, donc, si on reprend la configuration de la brique, donc ici, vous devriez avoir donc 4, 1, 2, 3, 4. Et ici, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 7, ici 7, c'est 7, oui, 7, donc 5 et 2, c'est 7, bon, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, donc ici, c'est sans charge, excusez-moi, ici, c'est sans charge formelle. Donc, la méthode des cases, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle vous permet d'arriver directement ici. D'accord? Sans charge formelle. Et ensuite, vous devriez retrouver avec charge formelle. La méthode des comptes qu'on vient de faire, que je viens de vous expliquer, elle vous permet d'arriver directement avec la charge formelle. Si on vous demande sans charge formelle, vous devriez hop, donc, redonner ce doublé, puisque ici c'est positif. Donc, vous devriez perdre donc, un des électrons, donc le redonner ici. Donc, vous avez déjà un électron sur le chlore et un autre que vous allez lui redonner. Donc, ça sera un autre doublé. Et ici, donc l'électron que vous avez de plus, donc vous l'avez redonné au chlore qui est ici positif, et vous perdez cette charge et vous avez donc votre SnCl2 donc sans décharge dans ce cas. J'espère que c'est clair. Je vais réinsister sur le fait que cette méthode, elle est vraiment très fiable. Au moment où elle ne fonctionne plus, automatiquement, vous devriez penser à exciter votre atome central et ça vous permet de retrouver donc les représentations de Lewis et ça vous permet d'éviter de tâtonner par exemple sur les cases si vous voulez donc est-ce que je dois mettre cet électron avec celui-là ou bien celui-là avec celui-là ou bien comment ça marche? D'accord? Donc ça c'est tâtonner. Vous devriez suivre des règles. On vous a donné des règles, on vous a dit que vous devriez donc exciter, quel état excité, premier état excité, deuxième état excité, etc. Donc vous devriez suivre les règles que vous connaissez. D'accord? Donc cette méthode, vous voyez que automatiquement vous avez un tableau où vous faites donc votre compte et vous dispersez en respectant la règle de l'octet. Au moment où la règle de l'octet n'est plus respectée, vous vous arrêtez, vous dites là, je dois passer à un état excité. D'accord? J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, on peut y remédier, y répondre maintenant. Je vais voir parce qu'il y a des gens toujours, donc il y a toujours des gens qui assistent. S'il y a des questions, est-ce que vous avez des doutes, des choses que vous n'avez pas compris? J'espère que tout est clair. Merci. Oui?
Nouache qui a ouvert. C'est clair, Nouache, je crois. monsieur. C'est clair, d'accord. Donc, si vous avez des questions, et j'insiste sur ça, vous pouvez toujours nous envoyer des messages sur nos courriers électroniques. On avait dit que vous pouvez les envoyer directement à vos professeurs de TD dans vos groupes, au groupe que vous appartenez, ou bien donc vous les envoyer à votre professeur de cours, à moi-même, d'accord? Donc je peux toujours, ou bien nous pouvons aussi toujours répondre à vos questions. On est ici donc pour vous enseigner. D'autre part, je ne sais pas si vous avez donc essayé de voir les vidéos que j'ai téléchargées sur la plateforme et aussi sur YouTube. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà regardé les vidéos? Parce qu'on est en train d'enregistrer la séance. Personne? Donc, essayez d'aller soit sur la chaîne YouTube que j'ai créée, d'accord? Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, ça, c'est la plateforme. Donc, sur Stream, vous avez toutes les vidéos de nos séances, d'accord? Donc, elles sont organisées selon donc, la section, les exercices. Donc, la série, vous avez ici une description de la série, quel module, etc. D'accord? Sinon, donc, d'autre part, vous pouvez aller sur YouTube. Vous tapez mon nom, d'accord, et vous allez retrouver donc les différentes vidéos bien classifiées. En plus, je les ai mis sur des types de playlists, d'accord, donc d'une manière à ce que les exercices soient l'un après l'autre, ou bien les parties des exercices soient donc ordonnées ou bien classées dans l'ordre première partie, deuxième partie, jusqu'à la dernière partie de chaque séance qu'on est en train d'effectuer, d'accord. Essayez de vous mettre sur soit YouTube pour les gens qui n'ont pas accès à Stream ou bien à Teams, soit donc ceux qui ont accès à Teams, je viens de vous le montrer. Donc ici, vous avez les vidéos des séances. Je crois que c'est intéressant d'y revenir si vous n'avez pas compris quelque chose parce que l'explication, je crois qu'elle a été effectuée d'une manière qui est détaillée. En ce qui concerne la semaine prochaine, donc avec le professeur Selman Soré, donc on va décider si on va continuer le cours et avoir une autre série pour la partie thermochimie, ou bien donc à cause des circonstances, etc. On va voir si on peut vous alléger un petit peu à ce niveau. S'il y a la possibilité de vous rattraper, par exemple l'année prochaine, donc s'il y a la possibilité que vous voyez durant des séances de cours de chimie l'année prochaine, donc la thermochimie. Donc, on va voir avec nos collègues et on va essayer de voir si on peut vous alléger. Sinon, on est obligé de continuer, de terminer donc la thermochimie. Donc, on est en train de discuter de cette situation et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est tout à ce niveau. Si vous avez des questions, j'insiste encore une fois, vous pouvez les poser. Est-ce qu'on conclut ou bien vous avez des questions à poser? Donc, à ce qu'il paraît, il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie. Vous serez informé pour la semaine prochaine s'il y a TD ou pas, selon si vous allez effectuer le cours ou bien vous n'allez pas l'effectuer. D'accord? Alors, je vous remercie et je vous salue et on se revoit donc, dans une séance prochaine, je l'espère. Allez, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci.